One love au peuple gabonais. Moi, je viens de dire aux Gabonais hein, que la pauvreté, elle est mentale chez nous quand même par moment. Parce que c'est vraiment inacceptable de voir certaines familles qui ne veulent pas se débrouiller. Je sors là d'une maison. C'est-à-dire que le monsieur, il est retraité. Mais quand tu regardes le monsieur, il est encore en forme. Quand tu te retournes, sa femme, la même chose. Elle est très en forme. C'est qu'elle peut encore faire une activité. Mais le monsieur croit que Ibrahim attend la pension. Qui vient après combien de mois? Et qui n'est pas vraiment beaucoup. En français facile. Et quand ça arrive, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes des ordonnances, il y a les problèmes de quartier, il y a les problèmes de famille, il y a les problèmes des enfants, il y a les problèmes de petits-enfants. Et ils disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je lui dis, papa, quand tu sors là, quand tu regardes parfois dans les taxis bus là-haut, ou les taxis, les petits taxis de ville là, ou dans les clans d'eau, ou soit ceux qui font le transport de boissons là, tu ne trouves pas qu'il y a des gens de ton âge ou de ta génération en train de faire ça? Si. J'ai dit, mais alors, au lieu d'être là toute la journée à la maison, soit disant que je suis retraité, mais tu peux te trouver une autre activité. Mais ta femme, c'est la même chose. Elle peut prendre un peu d'argent et faire le commerce comme les autres. Hein, peuple gabonais? On a quel problème? On a des maisons devant chez nous, on préfère parfois prendre un petit mur, on casse, on amène un Westaf, il s'assoit là. Mais nous-mêmes, on peut le faire. À la place du Westaf qui vend la sardine devant ta maison. Et parce qu'il doit te payer 15 000 francs de ton loyer. Et tu te contentes de ça. Mais pourquoi tu ne peux pas te contenter de vendre toi-même la sardine ou la tomate là? Non. Franchement, arrêtons d'appeler la pauvreté. Moi, j'ai dit la pauvreté, elle est mentale chez nous. Elle est vraiment mentale. Tu vas aller chez les enfants, c'est la même chose. Tu vas chez les grands, c'est la même chose. C'est quoi? C'est le maudit. On a quel problème? Qui a dit que parce que tu es retraité, que tu ne peux plus aller faire clando? Qui a dit que parce que tu es retraité, que tu ne peux plus aller faire une petite bricole quelque part? Que forcément tu dois attendre l'argent de la pension là? Non. J'ai dit non. Apprenons à nous débrouiller. Allez-y même à mon boîte là. Vous allez voir que il y a des gens qui sont âgés, mais elle est là, elle vend sa tomate, elle vend son poisson, même les papas. Donc, peuple gabonais, arrêtons de nous plaindre à tout moment. Je sais que le gouvernement ne fait rien pour nous, mais c'est pas parce que le gouvernement ne fait rien pour nous que toi-même, tu ne peux pas faire quelque chose pour toi. Si quelqu'un t'a oublié,